Je fais cette vidéo dans l'urgence parce que vendredi 8 décembre dernier, Emmanuel Macron était en visite à Notre-Dame de Paris et il a annoncé différentes mesures, dont une est tout simplement inacceptable selon la Tribune de l'Art. Mais selon moi, cette mesure, elle est au minimum délictuelle, voire même criminelle. Le président de la République a, de manière unilatérale et autoritaire, décidé qu'il fallait remplacer les vitraux de la nef sud. C'est-à-dire que les vitraux historiques, il va les faire remplacer par des vitraux nouveaux en art contemporain. Mais c'est pas seulement un délire de président fan d'art contemporain. Non, pas du tout. En fait, Emmanuel Macron est plus intelligent qu'on ne le croit. Il s'attaque à l'essence même de Notre-Dame de Paris. Je m'explique. Sur ces vitraux, figurez-vous que, comme par hasard, il se trouve ce symbole-là. Vous voyez ces trois triangles dont je parle dans le Code des pyramides? Eh bien, il se trouve sur ces vitraux. En fait, l'essence de Notre-Dame de Paris, c'est de transmettre un message de vérité. C'est de transmettre un message supra-religieux très important. Et ces trois triangles sont l'une des clés du code de ce message, parce que ce message, évidemment, est codé. Comprenez que Notre-Dame de Paris, c'est un livre de pierre qui transmet un message codé, et ces vitraux sont vraiment au cœur de ce message, de ce code que j'appelle moi aussi le code des pyramides, mais qui est aussi le code des cathédrales, et qui parle le même langage, en fait, ces cathédrales et ces pyramides. Et donc pour moi, si vous voulez, c'est ciblé. C'est pas, comme je disais, une simple mutilation de monuments historiques par un président autoritaire. Non. Pour moi, c'est ciblé. Derrière, il y a une intelligence, il y a une volonté de détruire le message, de détruire l'essence, le but même de la cathédrale. Et ce qui est incroyable, c'est que dans le premier épisode de ma trilogie, donc le Code des pyramides, où je vais dévoiler, où je suis en train de dévoiler les clés de ce code, ce message très important, eh bien, dans ce premier épisode Parisis, justement, je révèle les secrets de ce symbole avec ces fameux trois triangles. Donc, vous imaginez bien que je comprends, en fait, les intentions cachées d'Emmanuel Macron qui sont beaucoup plus graves qu'on ne le croit. Quand on ne sait pas tout ça, on voit une simple destruction de monuments historiques, c'est déjà suffisamment grave. Et le pire, c'est qu'Emmanuel Macron court-circuite tout le monde, il ne respecte rien, il ment, et son mensonge est couvert par les médias. On va regarder un petit peu tout ça de plus près. Donc on va regarder cette affaire en détail avec deux regards différents. Le premier, c'est le média La Tribune de l'Art, et le deuxième, ce sera Le Figaro. Vous allez voir, c'est très intéressant de comparer les deux. Notre-Dame, le musée de l'œuvre en bonne voie, les vitraux de Viollet-le-Duc menacés. Le président de la République visitait aujourd'hui le chantier de Notre-Dame, un an jour pour jour avant la réouverture au public prévue le 8 décembre 2024. La charpente est presque terminée et la structure de la flèche s'élève désormais à 96 mètres. Pour ceux qui ont déjà vu le film. Redonnant enfin sa silhouette au monument. Macron a fait trois annonces à la suite de cette visite. Deux sont excellentes, mais la troisième est inacceptable et nous y reviendrons. Donc nous, on va passer directement à la mesure inacceptable, évidemment. La voici. La troisième décision, en revanche, est totalement inadmissible. Alors que le ministère de la Culture avait déjà examiné l'hypothèse de remplacer les vitraux de Viollet-le-Duc des chapelles de la Nef par des œuvres contemporaines et y avait renoncé officiellement, voire la brève de 2020, Emmanuel Macron vient de faire tout seul dans son coin, sans respecter aucune des procédures normales de décision, le choix de mettre ce projet en œuvre dans 6 chapelles sur 7 du bas-côté sud. Il répondrait ainsi à une demande de Mgr Ulrich, l'archevêque de Paris, sachant par ailleurs que le clergé rêve depuis longtemps
au moins depuis 2010, d'un tel geste. Or, comme l'a révélé la journaliste de Libération Bernadette Sauvaget, sur un plateau de BFM TV, auquel nous participions ce matin, c'est le président de la République lui-même qui a demandé au prélat, c'est-à-dire à l'évêque, de lui écrire une lettre pour lui demander d'installer ses vitraux contemporains. Donc là, déjà, c'est marrant, parce qu'en fait, Macron dit oui, ça répond à une lettre de Monseigneur Machin, sauf que c'est Macron qui a demandé à Monseigneur Machin de lui faire la demande. Faut savoir que ces vitraux, hein, entre parenthèses, ils n'ont pas du tout été touchés par le feu. Il ne s'agit pas de vitraux endommagés. Hein. Les vitraux sont carrément intacts. Ils n'ont rien à voir avec l'incendie. Hein. Ils sont propres, ils sont historiques. Je reprends. L'une des raisons avancées par Emmanuel Macron, c'est de marquer le 21e siècle. Mais le 21e siècle a déjà marqué Notre-Dame par l'incendie. Et cela suffit peut-être. Il a dit qu'au mois de juillet, cette proposition avait été présentée dans son principe aux commissions compétentes, ajoutant qu'il y souscrit pleinement, laissant entendre que ces commissions auraient ainsi donné leur accord. C'est un énorme mensonge que profère le président de la République. La commission compétente, c'est-à-dire la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, réunie en juillet dernier pour décider du mobilier, non, ou en juillet 2020, je sais plus, pour décider du mobilier de la cathédrale, voir l'article, cette commission n'a à aucun moment débattu cette question qui avait été tranchée dans le sens d'une conservation des vitraux de Viollet-le-Duc, évidemment. Déjà par le ministre de la Culture de l'époque, Roselyne Bachelot. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a 2 ans déjà, le ministre de la Culture a dit non. Le Conseil national du patrimoine aussi. Par principe, c'était évident. Ils n'ont pas eu besoin de débattre puisque le nom était évident. Mais il a court-circuité tout ça. Bon, on va voir plus loin. Donc, ces fameux vitraux remplacés, ces vitraux en grisaille, quoique fort simples et décoratifs, font partie d'un programme élaboré par Viollet-le-Duc répondant à des objectifs précis qui correspondent par ailleurs à une étude historique poussée faite par l'architecte. Viollet-le-Duc expliquait que cette disposition est conforme autant qu'on peut en juger par le laconisme des textes à ce qui existait avant la destruction des verrières en 1758. Donc déjà, entre parenthèses, hein, Viollet-le-Duc, parce qu'on le critique beaucoup, le pauvre, quand il a restauré au 19e siècle, c'est aussi parce que en 1758, ça avait été détruit. Hein. Encore une fois, on est toujours en train de détruire cette cathédrale. Bon, Viollet-le-Duc, il a respecté l'historicité. Il a remis comme c'était autant qu'il l'a pu. Donc, je reprends. Vouloir supprimer ces vitraux historiques, protéger monuments historiques, pour les remplacer par des vitraux contemporains figuratifs, constituerait donc une profonde altération de l'œuvre de Viollet-le-Duc sur une partie qui n'a pourtant à aucun moment été touchée par l'incendie. Il ne s'agit pas ici d'une restauration, mais d'un vandalisme volontaire dont on peut douter qu'il soit accepté par les innombrables donateurs de la souscription nationale pour Notre-Dame. Ces vitraux, dont l'enlèvement nuirait à l'équilibre lumineux et à l'intégrité de l'état historique de la cathédrale, doivent y être conservés, d'autant qu'ils ont déjà été nettoyés et consolidés lors de la restauration de ces chapelles. Donc voilà, là on a un article de la Tribune de l'Art qui est spécialisé et qui traite cette information comme elle se doit, en dénonçant les abus, court-circuit du Conseil national, mensonge de Macron qui fait comme si le Conseil national avait donné son accord. Mais il y a aussi autre chose qui court-circuite, on va le voir, notamment avec voilà, l'article du Figaro. Donc le Figaro... Vous voyez comment l'information est traitée. Notre-Dame de Paris, 2. Macron annonce un concours pour réaliser des vitraux contemporains. Voilà. Au lieu de titrer Macron veut remplacer les vitraux, ce qui fait polémique, ou Macron court-circuite le Conseil national du patrimoine pour remplacer des vitraux. Non, non. Là, on dit directement Macron annonce un concours pour réaliser des vitraux. Voilà. On fait comme si le remplacement était acté quelque part. Voyons la suite de cet article.
Donc là, il nous explique la visite de Macron vendredi dernier. Le président a levé une dernière fois le regard vers les hautes voûtes désormais refermées. Puis il s'est arrêté devant une des sept baies des chapelles sud de la nef. Là, au pied des vitraux 19e dus à Eugène Viollet-le-Duc, qui les a restaurés conformément à ce que c'était avant, parce qu'ils avaient été détruits, je le rappelle encore une fois. Parce qu'on veut toujours faire croire que Viollet-le-Duc, il a fait à sa sauce, c'est pas du tout vrai. Viollet-le-Duc, il a fait que restaurer ce qui avait été détruit en respectant l'historicité au maximum. Donc bref, donc au pied des vitraux historiques, hein, et pas 19e, hein, auprès des vitraux historiques de Notre-Dame, il a annoncé le lancement d'un concours pour la réalisation de 6 vitraux contemporains qui porteront la marque du 21e siècle dans le monument. Donc vous voyez comment on vous annonce l'info dans le Figaro. On vous dit pas qu'il court-circuite quoi que ce soit ou qu'il est en train de violer un monument historique, quoi. Non, non, on vous dit, ah, il a annoncé un concours. Ouais, tu sais, en mode lèche-botte, on applaudit. Bon, après, il nous informe quand même qu'il s'est passé des choses avant, parce que ça a été refusé avant cette modification-là qui avait déjà été demandée. Là, il nous informe quand même le Figaro, avec ce paragraphe. Revirement de l'État. L'archevêque m'a proposé, ça c'est Macron, l'archevêque m'a proposé ce geste auquel je souscris, a-t-il lancé. Déjà en 2020, le diocèse de Paris avait rédigé un projet d'aménagement intérieur qui comportait des vitraux contemporains. Bon, vous savez qui c'est qui dirige les hautes instances catholiques, hein, c'est l'Empire, enfin c'est le Vatican romain, hein, qui est le laquais des puissances d'argent, hein, c'est la religion au service de l'oligarchie. Mais à l'époque donc, en 2020, dans la première proposition de modification des vitraux, il y a eu une levée de bouclier immédiate, un refus de principe de la Commission nationale du patrimoine, et même une opposition de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture de l'époque, qui avait expliqué que la France a signé la Convention de Venise en 1964 qui rend absolument impossible toute dépose des dix vitraux et leur remplacement par des œuvres modernes. Bachelot disait « La chose est pour moi irrecevable et contraire aux conventions que nous avons signées », avait-elle insisté. Donc, j'allais dire, un élément sur lequel Macron marche littéralement comme un petit tyran, un petit dictateur. Il marche carrément sur cette convention de Venise. Hein. Il ne fait pas que marcher sur la protection monument historique, il marche également sur la convention de Venise de 64, que Roselyne Bachelot, alors ministre de la Culture, avait bien respectée. En 2020, c'est pas vieux. 3 ans plus tard, l'idée ne semble plus perturber ni le président, ni l'actuel ministre de la Culture, qui s'appelle maintenant Rima Abdul Malak. Donc on a un nouveau ministre de la Culture, qui s'appelle Rima Abdul Malak. Ça change du ministre de la Culture des années 60-69, pour ceux qui ont vu le film. Hein, ça fait un sacré changement en termes de prestige, bref, en termes de légitimité. Bon, donc maintenant, cette nouvelle ministre de la Culture, c'est une femme, qui est debout à ses côtés, pour pas dire à genoux, devant le président. Voilà, elle dit rien. Elle a oublié la Convention de Venise, c'est bizarre. Elle a oublié que c'était un monument historique, elle aussi. Officiellement, tout le monde semble s'accorder sur ce geste contemporain. Là, le Figaro, donc, ment par omission. Il couvre Macron, c'est-à-dire qu'il adopte la même stratégie que Macron, en faisant croire que le Conseil national a donné son accord. Ce qui n'est pas du tout le cas, le Conseil national n'a jamais donné son accord. Si on voulait marquer cet événement triste de l'incendie dans les murs du monument, pourquoi pas? Mais on n'est pas obligé de détruire 7 vitraux. On pourrait, par exemple, n'en détruire qu'un seul, ou mieux, ne rien toucher et rajouter quelque part quelque chose. Mais c'est pas interdit de rajouter quelque chose, il y a de la place dans le monument. Donc vous avez vu la différence de traitement entre le Figaro qui couvre le mensonge de Macron et la Tribune de l'Art qui est le seul média honnête dans cette affaire. Donc Macron, il marche non seulement sur les conventions de Venise, sur la décision d'un vrai ministre de la Culture qui était Roselyne Bachelot, et sur l'avis évidemment du Conseil National du Patrimoine et de l'Architecture. Après, évidemment, le ministre de la Culture actuel, effectivement, on parle de culture, la culture c'est quand même associé à un pays, à une histoire. Cette personne, elle est arrivée en France à l'âge de 10 ans.
Elle est du Liban. Elle a vécu au Liban jusqu'à 10 ans. Elle arrive en France. Qu'elle soit ministre de l'économie, pourquoi pas, mais ministre de la culture, franchement. En tout cas, là, elle fait bien le bon toutou à Macron en ne faisant pas son travail. Donc voilà, c'est lamentable, c'est honteux, c'est digne des pires dictatures, c'est digne des républiques bananières, c'est vraiment à vomir. Pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça, on récapitule. Il y a 4 ans, il y a un incendie qui dévaste la toiture et la flèche. Le premier responsable de cet incendie, c'est l'État français. Donc, c'est Emmanuel Macron, le premier responsable de cet incendie. Suite à cet incendie, Emmanuel Macron propose de faire une flèche complètement nouvelle, de lancer un concours à l'international pour modifier complètement la flèche, complètement la cathédrale. Déjà, ça, c'était une insulte au patrimoine historique de la France et même de l'Europe. Parce que Notre-Dame, c'est un héritage universel qui appartient à tout le monde et qui ne doit pas être modifié. Sinon, on touche à l'essence même de la cathédrale. Et lui, il a essayé déjà tout ce qu'il a pu pour qu'on la modifie, cette flèche. Donc, on est en droit de suspecter une vraie volonté de démolition. Heureusement, ça n'est pas passé. La flèche est en train d'être reconstruite à l'identique. Mais là, Emmanuel Macron tente un dernier coup de poker. Il tente le tout pour le tout. Maintenant, il s'attaque aux vitraux et il essaye de faire passer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on voit la même volonté de nuire à l'essence même de la cathédrale. Je rappelle que ma position sur cet incendie de Notre-Dame, elle est claire. Pour moi, c'est pas un hasard. Il y a une vraie volonté de nuire à cette cathédrale. Pour moi, l'incendie a été commandité. Qu'on ne nous prenne pas pour des andouilles. Et j'explique toute cette affaire, tout mon travail, toute mon enquête sur l'incendie de Notre-Dame, plus tout ce que ça cache, enfin une bonne partie de ce que ça cache, vous le retrouvez dans ce livre Notre-Dame d'Odin, que vous trouvez sur ma boutique en ligne espritviking.com, il faut bien vivre. Mais c'est pas la première, ni malheureusement, je pense, la dernière destruction de patrimoine et de cathédrale. Rappelez-vous, l'année dernière, à Strasbourg, on a détruit le rayon vert de la cathédrale de la même manière, en remplaçant des vitraux. J'avais déjà signalé tout ça, j'avais déjà protesté. J'ai été mis en correspondance avec des gens de Strasbourg. Et je ne sais pas où cette affaire en est. J'aimerais bien que ces gens, si vous pouvez s'il vous plaît me tenir au courant, est-ce qu'on va pouvoir sauver ce rayon vert de la cathédrale de Strasbourg? Et voilà, des destructions de monuments historiques, comme ça il y en a plein. Mais comme par hasard, ça tombe toujours sur le même style de monument. Ça tombe toujours sur le gothique. Comme par hasard, là vous voyez, ça va détruire des vitraux qui contiennent ce fameux symbole. Et puis, il y a d'autres choses très intéressantes sur ces vitraux que j'aurai l'occasion d'expliquer dans le code des pyramides. Donc, pour connaître les secrets de ce fameux symbole des vitraux de Notre-Dame, eh bien, vous allez les découvrir dans Parisis, le premier opus du Code des Pyramides, qui sortira en version internet plus courte le 21 décembre sur cette chaîne, sur Pagan TV. Voilà, je vous donne une version, je vous offre une version de ce film qui sera, on va dire, l'essentiel est dedans. Il y a un quart d'heure de moins que la version intégrale que vous retrouvez en DVD, qui est déjà disponible et dont les dernières livraisons sont en cours. Donc voilà, ne soyez pas dupes, c'est pas une simple destruction de patrimoine historique, c'est derrière, il y a une volonté de nuire à un message très sacré, à un message ancien dont nous avons absolument besoin aujourd'hui. La tyrannie de Macron et de ses compères ne doit pas l'emporter. Nous devons montrer que nous sommes un peuple conscient qui ne se laisse pas faire, sinon ça va être très compliqué pour nous. Alors, pour protester contre cette destruction des vitraux de Notre-Dame, il y a une pétition qui a été lancée. Donc, je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Je vous encourage à aller signer cette pétition pour sauver ces vitraux. Vous retrouverez également dans la description de la vidéo tous les liens qui vont bien par rapport à ce dont je vous ai parlé, y compris par rapport à l'affaire du rayon vert de la cathédrale de Strasbourg, si vous n'êtes pas au courant. Vous retrouverez également évidemment ce livre et ce DVD.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. Et je vous donne rendez-vous donc le 21 décembre sur cette chaîne. À bientôt, au revoir.